Trouver de bonheur pour parcourir la région. Je crois que vous êtes de service également. Vite d'ailleurs, donc avec un, je rappelle, 12 tours, il n'y aura pas de tour dans 4 mécaniques ou crevaison. Et si j'ai bien... 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, avec Jean-Yves Burleau. On salue Jean-Yves, l'organisateur de l'étoile de Trécignot, notre motard de service, pour ouvrir la course au cadet. Alors Mathis Debert, dernière minute et 18 secondes, on va redéclencher le chronomètre. L'écart se creuse, il est passé de 41 secondes à 1,18. 1,18, dernier écart. Voilà, sur le passage et la première. Voilà, la prime sur la ligne. Allez, reste encore deux parts de prime. Allez, il faut aller chercher les primes, 16 et 14. Allez, on l'encourage. Allez, deux tours de l'arrivée. Deux tours de l'arrivée. Qu'est-ce qu'il fait le senior avec lui, là? Il en avait également les points pour le classement animateur. Donc, sans trop d'intérêt, d'ailleurs, puisque désormais, c'est Mathis Lebert qui va donc... Voilà, c'est bien les jeunes. Allez, on les encourage. Allez, trop bien, c'est bien. Voilà, on les applaudit avec le groupe qui est emmené maintenant par Clément. C'est Clément qui emmène. L'écart 1,18. 1,18, dernier écart. Allez, on encourage, dernier tour. Allez, sur les encouragements, Mathis Lebert. Allez, dernier tour, il a gagné le classement animateur. Vainqueur du classement animateur. Voilà, donc avec la Meurse. Allez, on les encourage également. 1,25, dernier écart. Pour les places d'honneur, le podium. C'est bien, le podium avec les deuxièmes et troisièmes places. Melvin Gécal a le peloton qui apparaît un petit peu plus loin. Oh, l'écart n'est pas très important. Voilà, c'est dernier tour. Allez, dernier passage. C'est également le dernier tour. Allez, on les encourage. Dernier passage. Ils ont été méritants. Ils ont mis un point d'honneur. A terminé l'épreuve également, c'est bien. Allez, vainqueur de l'épreuve, il va déboucher là-bas, à la sortie du virage. Voilà, signé sa énième saison, victoire de la saison. Vainqueur du championnat des Côtes d'Armor. Il a gagné la classique Val-Argonon. Allez, on l'applaudit bien fort. Mathis Lebert, vainqueur. Voilà, belle victoire. Avec le sourire du vainqueur. C'est l'arrivée. Avec le... Donc l'arrivée maintenant, ils sont là tous les deux. Allez, on les applaudit, Nathan Le Pouf. Deuxième de l'épreuve. Troisième, Melvin Gicquel. Allez, content, Melvin. Deuxième de l'épreuve. C'est bien. Allez, c'est l'arrivée pour tout le monde. Sur la ligne, c'est l'arrivée. Baptiste Le Chalut en termine. Quatrième, Baptiste Le Chalut. D'ailleurs, et ils sont présents aux côtés des organisateurs pour les premiers secours. Voilà, c'est l'arrivée. Voilà, c'est Antoine Le Flogouen qui s'est montré le plus